charité. Que les puisse abonner, non pas comme un seul conseil, mais comme un commandement pour nous dire que l'amour qui va pas que nous ayons les uns pour les autres n'est pas la contact. Présent dans le silence, et laissons nos cœurs se rejoindre.
Marie, sa mère. Nous aussi, nous voici debout autour de la dépouille de notre frère Jean-Roger Adam et nous devons sur les routes de la vie. Donnons-nous, Père, le Seigneur notre Dieu, et par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, demandons-lui de nous accorder un peu, de nous obtenir la force qui l'animait lorsqu'elle regardait son divin Fils mourir sur le bois de la croix. Convaincue, Marie, que tu n'abandonnes pas les personnes qui se tournent vers toi dans leur moment de souffrance, nous aussi, nous venons à toi en communion avec Gabriel, l'ange de l'Annonciation, et en union avec la cousine Elisabeth, nous t'adressons notre supplication en disant ensemble : Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Distinguées personnalités de la mission de l'essence familiale. Avant de permettre aux parents de la famille d'investir le public, je vous d'abord de remercier la suite de notre programme. Puissions donner la possibilité aux amis de l'essence qui ont fait encore de passer distinguer et présenter leurs condoléances à la famille bien pleurée. Mesdames, Messieurs, pour qu'il en prenne encore dans une file, nous avançons si vite. Dieu, et à ce mari.